Moi, c'est M. Djabigui Armand, chef de service à la direction du domaine public de l'État au ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier. Je suis ici dans le cadre de l'enquête de Komodo et Incomodo qui s'étale jusqu'au 13 avril. Je suis sur le site de Kojoboué. Vous voyez, ce site-là est très beau. Et nous avons traversé l'eau, donc juste ce site-là. Dans le cadre de l'enquête, je suis là pour vérifier si ce site-là n'impacte pas le domaine public, qui peut être maritime, fluvial, et lagunaire ou routier. Et je suis sur ce site-là. Je ne vois pas de haute tension sur ce site. Nous sommes à plus de 30 mètres du bord lagunaire. Et donc, ce site-là vraiment est un très beau site et n'impacte pas le domaine public. Le domaine public de l'État est une structure du ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier. Cette direction-là a pour but de surveiller, de contrôler et aussi de gérer les actes sur le domaine public routier. Tout ce qui est déversement de béton frais sur le goudron, tout ce qui est à bord des routes, tout ce qui est domaine maritime, fluvial et lagunaire. C'est en somme ce que nous faisons à la direction du domaine public de l'État. Si vous construisez aux abords de la lagune, c'est-à-dire si vous ne respectez pas les 25 mètres de ces servitudes, vous serez d'abord en porte-à-faux, c'est-à-dire que contre la loi qui est sur ces servitudes lagunaires. Et aussi, il y a aussi des dangers. La lagune peut sortir de son nid et un matin, vous avez l'eau qui vous a envahi. On ne souhaiterait pas cela. C'est pour ça que nous sommes là pour vérifier réellement si ce site-là est quand même loin de l'eau de la lagune. Voilà. Donc je félicite la société Silo AF qui a bien voulu m'accompagner sur ce site pour faire cette visite-là.